الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. L'islam accorde une grande importance à la question de la pureté des cœurs. C'est l'un des volets majeurs principaux de la mission réformatrice des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur est le roi, le guide des membres. Il impacte positivement ou négativement les membres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans un hadith authentique, il y a dans le corps un morceau de chair qui saint, il rend tout le corps saint. Et s'il est corrompu, il rend tout le corps corrompu. Il s'agit du cœur. Le cœur est le siège de la foi. C'est aussi le réceptacle des désirs et des passions. D'où l'importance de la purification du cœur. Dieu subhanahu wa ta'ala, comme il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne regarde pas nos apparences, nos corps, mais il regarde subhanahu wa ta'ala nos cœurs. C'est pour cela que Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit « Soigne ton cœur, car ce que Dieu subhanahu wa ta'ala attend de toi, c'est la pureté de ton cœur. » La pureté des cœurs est la marque de la bonne foi des croyants et la preuve de son bon suivi des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Dieu subhanahu wa ta'ala, après avoir fait l'éloge des compagnons,
المهاجرين والأنصار les Mécois et les Médinois, et elle a fait, subhanahu wa ta'ala, l'éloge de ceux qu'elle a suivis par excellence, ceux qui ont marché sur leurs traces, leurs pas. Et il nous a informé, subhanahu wa ta'ala, que l'une de leurs caractéristiques majeures, c'est qu'ils ont un cœur sain. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et ceux qui sont venus après eux disent: Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets pas de la rancœur dans notre cœur pour les croyants. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Donc ils ont un cœur qui est pur, qui est exempt de toute rancune, de toute rancœur, de tout ressentiment. La pureté des cœurs permet aux croyants de s'élever dans les degrés de la foi, d'atteindre les degrés les plus élevés. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont les gens, quels sont les meilleurs gens auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: toute personne à la langue véridique, saduq al-lisan, makhmoum al-qalb, toute personne à la langue véridique et au cœur pur. Kullu saduq al-lisan, makhmoum al-qalb. Donc les compagnons les ont dit: ô messager de Dieu, nous savons ce qui est saduq al-lisan. C'est quelqu'un qui est véridique, qui dit la vérité. C'est quoi donc mahmoum al-qalb? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: c'est celui qui a un cœur pur, saint, pieux, qui ne porte aucune rancune, aucune rancœur, aucune envie, aucune jalousie. Khamma, le vocable khamma ou le terme khamma en arabe signifie nettoyer. Donc c'est quelqu'un qui fait l'effort de nettoyer, de purifier son cœur afin qu'il ne soit pas souillé par ses maladies. La rancune, la rancœur, l'envie, la jalousie, le ressentiment, ce sont ceux qui pardonnent. Même lorsqu'on leur fait du tort, ils arrivent à pardonner. Et ils ne portent pas dans leur cœur ces maladies qui corrompent le corps, le cœur, et qui corrompent par la suite les membres, le corps. Donc, salam à tous sadri. La pureté des cœurs permet donc aux croyants de s'élever dans les degrés de la foi, de la religion. Même si ces œuvres ne sont pas nombreuses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afdalun nas, le meilleur des gens auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est véridique et c'est celui qui est
qui a ces deux qualités, qui est véridique, qui dit la vérité et qui a le cœur pur. Donc nous avons besoin d'avoir une bonne compréhension de la religion et d'agir par ordre de priorité. Il n'a pas dit les meilleurs gens auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui font beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de dhikr, d'évocation, beaucoup de pèlerinage. Mais il a dit, le prophète, il a parlé de deux qualités qui intéressent le rapport aux autres. Et avoir le cœur pur et sain. Soufiane ibn Dirar, rahimahullah, a demandé à Abu Bishr, l'un des prédécesseurs, lui a demandé, informe-moi sur les œuvres de ceux qui nous ont précédés. Abu Bishr lui dit, il œuvre peu. Hein? Il n'avait pas beaucoup d'œuvres, mais ils avaient beaucoup de rétributions, de récompenses. Et Soufiane ibn Dinar de lui demander comment, quelle est la raison. Et il lui dit, ils avaient des cœurs purs, sains. Les salamati sudurihim. Ibn Abi Dunya rapporte qu'un homme pieux qui a adoré Dieu subhanahu wa ta'ala 70 ans d'adoration, une adoration intense. Il voit dans son rêve, et ceci s'est répété trois fois, il voit que un tel cordonnier est à un degré plus élevé que lui. Donc il s'étonne, parce que le cordonnier, c'est un homme simple. C'est pas un grand adorateur, ni un grand savant ou un grand maître spirituel. Il va le voir et lui dit, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, mais d'abord tu dois m'informer de tes bonnes œuvres. Qu'est-ce que tu fais comme bonne œuvre? Il lui dit, rien. Je n'ai qu'une seule qualité, c'est que à chaque fois que quelqu'un passe à côté de moi, je me dis, il est meilleur que moi. Il est au paradis alors que moi je suis en enfer. Donc c'est quelqu'un qui acquise tout le temps son neuf, sa personne. Il voit que les autres, tous les autres sont meilleurs que lui. Donc une personne qui agit de cette manière, qui a cette vision, qui n'accuse pas les autres, mais qui s'auto-accuse, qui voit qu'il est la personne la plus méprisable, il est impossible que cette personne porte de la rancune, de la rancœur, des ressentiments dans son cœur vis-à-vis des autres. Abu Dujana, ce grand compagnon, connu pour son grand courage, qui a participé à toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui était parmi les compagnons qui ont protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud. Il protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son corps, il a reçu plusieurs flèches au dos. Alors qu'il est à l'agonie de la mort, donc certains de ses compagnons sont venus le voir. Ils ont vu que son visage est lumineux, radieux. Ils lui ont dit, Yarhamukallah, Abu Dujana. Pourquoi ton visage, il est radieux, il est lumineux? Il a dit, radiyallahu anhu, il y a deux qualités, deux vertus auxquels je m'attache beaucoup, par lesquels espère que Dieu subhanahu wa ta'ala le pardonne et le fasse entrer au paradis.
Elle a dit la première, c'est que je ne me mêlais jamais de ceux qui ne me regardaient pas. La deuxième, c'est que je n'ai jamais porté de la rancœur, de la rancune, des ressentiments, de la jalousie ou de l'envie pour un musulman. Donc il avait ce cœur saint, pur. Nous finissons ce rappel avec cette histoire, ce hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, et qui montre à quel point la pureté des cœurs peut élever le croyant dans les degrés de la foi. C'est un chemin ou c'est une porte vers le paradis. Anas ibn Malik rapporte qu'ils étaient une fois avec le prophète Hassan assis dans la mosquée, et le prophète Hassan leur dit: bientôt il va rentrer par cette porte un homme qui fait partie des gens du paradis. Et donc il y a un compagnon, un simple compagnon médinois qui rentre, qui venait juste de faire ses ablutions, qui tenait ses chaussures, ses sandales dans sa main gauche, qui rentre. Le deuxième jour, le prophète Asim leur a dit la même chose, c'était la même personne. Le troisième jour, pareil, c'est toujours la même personne qui rentre. Donc Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, ce compagnon alors jeune qui avait de la motivation et voulait savoir le secret de cet homme, donc il le suit, il le dit: ya am, ô oncle, j'ai un différend, une dispute avec mon père, et j'ai juré de ne pas rentrer chez moi 3 jours. Peux-tu m'héberger chez toi? Donc l'homme accepte, il va avec lui. Et donc une fois chez lui, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, donc fut étonné de voir que cet homme promis au paradis n'avait rien d'extraordinaire, d'exceptionnel. Il n'avait pas une adoration débordante. Il faisait ses prières, il était simple dans son adoration. Sauf qu'il a remarqué 2 choses. C'est que lorsqu'il se relève, lorsqu'il se réveille la nuit, se tourne dans son lit, il évoque le subhanahu wa ta'ala jusqu'à l'heure de la prière. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne disait que du bien. Il ne disait pas du mal sur les gens. Il ne disait que du bien. Donc, Abdullah ibn Omar, donc, trouvait que cet homme, il ne faisait pas beaucoup d'adoration. Il n'avait pas une adoration sautonnée, intensive, au point où il commençait à mépriser un petit peu son adoration. Et donc au bout de ces 3 jours, en voulant repartir, donc il dit à cet homme qu'il n'avait pas de dispute avec son père, mais voilà ce qui s'est passé. Il voulait juste savoir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 fois, 3 jours de suite, il leur a dit que par cette porte il va rentrer un homme qui fait partie des gens du paradis, c'était toi. Et je voulais savoir ce que tu faisais, ce que tu fais comme œuvre. Parce qu'il voulait le prendre comme modèle, donc le faire comme lui, afin d'atteindre aussi, lui aussi, donc ce degré, être des gens du paradis. Donc ce n'est pas une simple curiosité, mais Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, ce jeune était connu par sa grande adoration. Donc il voulait voir ce que faisait cet homme, comment il a mérité donc cet éloge des prophètes, il voulait faire comme lui. C'était, bien sûr, ce n'était pas une simple curiosité. Donc il lui dit, mais donc il n'y avait pas de dispute avec mon père, mais je voulais savoir ce que tu fais comme
quel est ton secret, ce que tu fais comme, comme œuvre, comme adoration. Et il lui dit, c'est ce que tu as vu, rien de plus. Et donc, au moment où Abdullah ibn Amr ibn al-As allait partir, il lui dit, mais il y a une chose, c'est que quand je dors la nuit, j'ai le cœur sain, pur, je n'ai aucune rancœur, aucune rancune, aucun ressentiment, aucune envie, aucune jalousie envers quelqu'un, quelqu'un que ce soit. Et donc, à ce moment-là, Abdullah ibn Amr al-As radiallahu anhu a compris le secret ou la raison. Et lui dit, c'est grâce à cette qualité que tu as atteint ce que tu as atteint. Et c'est cette qualité que nous, on a du mal à la voir. Donc la pureté des cœurs est une chose primordiale dans le cheminement des croyants. Celui qui veut cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala, qui veut se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala, il doit faire l'effort de purifier son cœur, d'avoir cette pureté du cœur, salamatu sadri wa taharatu al-qalb, sans laquelle, sans cette pureté du cœur, le cheminement, la proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala serait impossible. Sallallahu subhanahu wa ta'ala ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الغل ومن الحقد ومن الحسد برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كلنا ولي اللهم كلنا وليا ونصيرا وعونا وظهيرا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتحا مبينا اللهم افتح لنا فتحا مبينا اللهم يسر أمورنا اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مولانا لا تواخذنا بذنوبنا يا سيدنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.